Just bless you. I bless you in Jesus' name. It's wonderful to be here. C'est très belle vue derrière là. So beautiful. Beautiful view. Voilà, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Je suis avec mon frère bien-aimé, docteur lui-même. Shalom, shalom, shalom. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Donc, quand on dit docteur, ce n'est pas le nom, hein. Il a un doctorat. Un doctorat, donc, c'est une bibliothèque ambulante. Voilà, bien, mais juste pour vous dire que je vous aime tellement ce matin, je t'aime où que tu sois, je t'aime énormément. Je ne sais pas si toi aussi tu m'aimes, je ne sais pas si cet amour est réciproque. Je t'aime tellement. Et qui que tu sois, je t'aime. Ce matin, j'ai juste envie de te dire que je t'aime. Désolé pour les directs, je ne sais pas que je suis en train de travailler. Je travaille, je suis en train de traiter d'un dossier très lourd qui prépare quelque chose de grandiose. Et juste en rappel, vous savez, ce vendredi, nous serons au foyer Banjoun à Yaoundé à partir de 17h. Où que tu sois, qui que tu sois, ne manque sous aucun prétexte. Sois présent. Parce que la gloire de Dieu sera puissante au milieu de nous. Je serai avec le prophète Martial Séné. Nous serons ensemble pour te bénir. Il y aura des décrets prophétiques contre les décrets sataniques dans ta vie, dans ta famille. Dans tous les cas, le Seigneur nous fera du bien ce vendredi. Ne manque sous aucun prétexte au foyer Banjoun à partir de 17h. Je serai avec le prophète Martial Séné. Le prophète Gamto Arsène sera là les prochaines fois parce qu'il se repose un peu. Il a pris un temps de repos. Pour lui, en tant qu'homme de Dieu, c'est important de se reposer parfois. Et, dimanche, le culte familial au palais des congrès. Il faut que tout le monde soit informé. Ce sera au palais des congrès. Marie Cordeiro, encore le sourire pour hier. Hier, on a décidé de nager. Donc, le culte des familles sera au palais des congrès. Soyons mobilisés comme un seul homme. Et dimanche, à partir de 8h, palais des congrès, la main de Dieu sera puissante avec nous et le Seigneur manifestera une grande gloire. Donc, bien-aimés, s'il vous plaît, soyons unis dans le Seigneur. Et moi, le Seigneur, vous savez que c'est le temps des prophètes. Nous sommes dans l'ère prophétique. L'ère de la dernière heure, c'est l'ère de la prophétie et des prophètes. Et je pense que dimanche, j'ai enseigné sur le mystère des espèces. Et dimanche, je veux continuer l'enseignement sur le mystère des espèces. On va continuer l'enseignement là-dessus, le mystère des espèces. On va voir la loi des espèces. On a commencé dimanche passé et on va continuer dimanche qui est en train de venir. Et je sais que Dieu nous bénira. Au début, quand j'ai commencé cet enseignement, beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup étaient déconcertés. Les gens se demandaient que la botanique, la science naturelle, viennent chercher quoi pendant le culte et tout cela. C'était un peu la confusion complète. Tu pouvais lire la confusion sur le visage. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, vers la fin, les gens ont compris le sens du message qui était enseigné, qui était diffusé. Donc, bien aimé, tout simplement pour vous dire que ce dimanche, on va continuer avec la loi des espèces. C'est un enseignement importantissime pour l'Église, pour les hommes de Dieu, pour l'Église, pour les brebis, pour ceux qui dirigent la maison de Dieu, pour que les gens comprennent l'ordre que le Seigneur a établi dans sa maison et dans son Église. Quand l'apôtre Paul dira à Timothée, dans 2 Timothée 3, 15, il dit, afin que tu saches, si je tarde, comment t'es conduit dans la maison de Dieu, l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'église, c'est la maison de Dieu, ce n'est pas la propriété d'une personne, c'est la maison de Jésus-Christ. Et c'est important que nous comprenions que nous sommes des serviteurs dans la maison de Jésus Nazareth. Moi, quand j'entends souvent les gens me dire, oh vraiment prophète, nous sommes marqués par ta simplicité, ton humilité, mais je me demande, que est-ce qu'un enfant de Dieu devrait avoir une autre valeur différente à celle de l'humilité, de la simplicité? Est-ce qu'on devrait être orgueilleux? Est-ce qu'on devrait même dire qu'un enfant de Dieu est humble ou simple? Ça devait être notre nature. C'est la nature que nous héritons du Seigneur Jésus-Christ. Je pense pour moi que c'est comme ça que les choses devraient se passer en fait. Donc il y a une grande guerre qui a été lancée.
comme la Bible le dit clairement, parce que la main est élevée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Il y a une guerre dans ta vie que l'Éternel a lancée. Il dit, quand l'Éternel combattait pour Israël, que le Seigneur te bénisse. Il y aura des orientations prophétiques puissantes. Et je voudrais dire à tous mes partenaires d'Europe, tous ceux qui ont été partenaires lors de la dernière conférence de partenaires, la semaine qui est en train de venir, nous aurons un direct Zoom. J'aurai une réunion Zoom avec tous les partenaires où je vais prier, vous donner des conseils prophétiques, des orientations prophétiques. On va vous partager les liens. Donc, soyez prêts, vous recevez le message d'un moment à l'autre avec le jour. Vous allez juste cliquer sur le lien. Ça vous envoie à l'heure du Zoom et vous viendrez dans le Zoom chacun. Comme ça, je pourrai recevoir tous ceux que je n'ai pas reçus la dernière fois. Ça sera une façon de faire le rattrapage, bien que j'avais dit que je ne pourrais pas recevoir tout le monde. Donc, nous réfléchissons tous les jours à votre salut, à votre équilibre, à votre bénédiction. Et voilà, le Seigneur nous accorde aussi la sagesse parce que nous cherchons à comprendre ce qui nous échappe ou ce qui nous a échappé dans le passé. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Sois très, très près cette semaine. C'est une grande semaine. Nous achevons le mois de mai, le mois de ma naissance. Je l'ai inauguré en France. Je vais le clôturer au Cameroun. Sois là, au palais des congrès de Yaoundé, ce dimanche, le dernier dimanche du mois de mai, à partir de 8h. Ne manque sous aucun prétexte. Viens avec tes enfants. C'est le culte familial de consécration des familles à l'Éternel, notre Dieu. On se présentera famille et famille, famille après famille, devant l'Éternel, notre Dieu, pour lui dire merci pour ce mois et aborder les mois qui arrivent. Soyons très, très nombreux, bien-aimés. Soyons nombreux, considérant notre coutume, service de consécration des familles avec présentation des familles, des offrandes familiales à l'Éternel, notre Dieu. Ne jouez pas avec. Ne joue pas avec. Ce dimanche, mets ça dans ton programme. Mais vendredi, déjà, on aura un grand rassemblement au foyer Banjoun. Dieu manifestera une grande puissance. Et la semaine prochaine, nous serons à Douala. La semaine prochaine. Mon frère, pardon, regarde un peu, la semaine prochaine, c'est quand mercredi? Mardi, mercredi, jeudi. La semaine prochaine, je suis à Douala. Mardi, hein? Non, mardi. Voilà, bien-aimés, ce dimanche, nous avons le culte des familles à Yaoundé et la semaine prochaine, mardi le 27, 28. Mardi le 28, oui. Mercredi le 29 et vendredi et jeudi le 30, je suis à Douala, je serai à Douala avec mes frères. Je serai à Douala avec mes frères. Nous serons ensemble pour te bénir. Nous serons ensemble pour te bénir à Douala. Sois présent, ne manque sous aucun prétexte. Nous serons là pour te bénir. Je serai là-bas avec le révérend docteur Enoka Narcisse. Je serai là avec le prophète Martial Séné. Et si le prophète Kamto se sent bien, il sera là avec nous. Donc nous serons là pour vous bénir. La main de Dieu sera puissamment étendue pour ta délivrance. Donc, Douala, prépare-toi. Des prophètes arrivent. Une troupe de prophètes vient te visiter. Sois préparé. Ne lésine pas. Ne lambine pas. Dis-toi, Seigneur, même s'il y a quoi, je serai là-bas. Seigneur, je finirai ce mois dans la gloire avec toi. Donc, il faut noter ça, mardi le 28 mai, mercredi le 29 mai et jeudi le 30 mai, nous serons à Douala. Après Douala, nous allons inaugurer la semaine, la première semaine de juin du côté de Bertois. Nous serons à Bertois. Et que Dieu te bénisse. Nous serons à Bertois le mardi, mercredi et jeudi. C'est quelle date, mon frère? Mardi, oui, la première semaine de juin. Donc, le 4, le 5 et le 6. Mardi, mercredi, jeudi. 4, 5, 6 juin. Nous serons du côté de Bertois pour préparer déjà l'église pour le culte national qui se tiendra au palais des congrès cette année, au palais des congrès. Donc, nous attendons toutes les églises, tous nos frères, toutes nos sœurs, tous nos amis et tous mes fils. J'aurai une réunion avec vous, je vous donnerai un rendez-vous. On va se croiser pour faire la réunion préparatoire au culte national. Et toute la nation camerounaise est invitée, quelle que soit ton obédience religieuse, on doit prier pour notre pays qui a besoin de l'église, qui a besoin de nos prières et de nos supplications. La prière est redoutable. Donc soyons très très nombreux à ces grands programmes. Prépare-toi à finir ce mois dans la gloire et à entrer dans le mois prochain dans la gloire. Que le Seigneur te bénisse, que sa main forte et puissante soit sur ta vie.
et que le Seigneur soit ton berger dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Alors passe une très belle journée, tout en espérant te voir très tôt ce dimanche, ce vendredi déjà, à partir de 17h au foyer Banjoun et dimanche à partir de 8h au palais des congrès. Comme tu viens, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom.